Le blizzard glacial piégé dans la neige quand la fureur du blizzard décroît, le groupe d'exploration s'aperçoit que face à eux, le col de la montagne est obstrué. Certains avancent qu'il y a moyen de passer outre. D'autres recommandent de rebrousser chemin pour contourner l'obstacle. On va retourner au croisement. C'est un détour qui ne vous retarde guère d'autant que vous allez. Bon train, vous apercevez la silhouette accueillant du camp de base. Un jour, vous raconterez à vos petits-enfants à quel féroce bizarre vous avez survécu. Impec. Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Anno 1800. On était, oui, donc sur ce monsieur qui avait des soucis d'église. Alors notre église, elle est là. Eh bien écoute, on va te mettre ailleurs, on va t'améliorer. C'est que j'ai plus trop de place. Hein. Voilà, on va te mettre là et on va t'améliorer plus tard. Toi, pareil. Et tu vas avoir des soucis d'église ici aussi. Et ouais, vous êtes pas... Ah si, vous êtes améliorable quand même. Eh bien très bien. Parce que là, on a 3000 ouvriers, c'est beaucoup trop. Mince, j'ai choisi des mecs qui étaient pas améliorables. Vous, c'est l'école, putain. Mais vous êtes jamais content. Hop. Voilà. Bah, ça redescend parce qu'en fait, à chaque amélioration, il faut qu'ils re-remplissent les besoins, que les maisons se re-remplissent, etc. etc. Et c'est voilà, c'est ça. On sera en vitesse x3, on verrait pas la différence, mais là. Ok, donc ça remonte. Pendant que ça remonte, on va regarder pour les grands bis. Alors, il nous faut du latex. Ok. Juste du latex. De l'acier, on va en avoir. Et après... Ouais, après non, c'est bon. Tout le reste, on en a. Il faut pas grand-chose de difficile. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. C'est 30 secondes. Alors, quelqu'un nous honore de sa présence. Oui, j'aimerais bien cliquer dessus. Conservateur. Conserveur, pardon. Oui. Ok. Toi, t'es en stress. Le petit poisson est prudent quand il nage au milieu des gros. Bon. Allons faire donc du... Il y a longtemps qu'on n'y a pas été dans le Nouveau Monde. 4000. Il y a un gros souci là, attends. Ah non, c'est juste qu'il faut que ça se remplisse. Vous prenez plus d'eau de vie, vous, on est d'accord. Non. Une machine à coudre, c'est en galère. Ah, mais c'est les fluctuations de... du pétrole. Si on regarde notre port pétrolier... où est-ce que j'ai mis mon port pétrolier? On doit plus avoir de pétrole, ouais c'est ça. Donc bon, il y a plusieurs choses à faire dans le Nouveau Monde. Heureusement qu'on a beaucoup d'argent parce que là ça chute. Ça y est, ça remonte, il y a dû avoir une livraison de pétrole. Alors ici on a 15... Ouais, donc si on veut faire du pétrole, récapitulons... Où est-ce qu'on en a du pétrole? Ici on en a deux, ouais, c'est pas le plus intéressant. Un. Ok, ici. Ok. Pour le pétrole. Ta réputation n'est pas sans tâche. Vitre et ciment. Oh, mais il faut pas grand chose, attends. Port pétrolier, est-ce que je peux le placer de ce côté? On a une côte. On a une côte de ce côté. Donc si je me mets face... Ok, ça se retrouve là. Oui, bah écoute, on peut faire un port pétrolier, ça nous évite... Ah non, ça nous fait deux. Deux traversées, ça fait beaucoup d'acier pour rien. Donc non, on va mettre le port pétrolier ici. Voilà. Donc il va falloir arriver ici. Attends. Donc ouais, 10 fenêtres pour une raffinerie. Ok, on va prendre 20 et 20.
Ici. Pouh, on peut même prendre plus. Qui est le plus rapide? Voyons voir. Et toi? Ok, c'est le clipper le plus rapide. Donc on a dit matériaux de construction, il nous faut des vitres, on va prendre 50, des vitres, du béton, on va prendre de l'acier, et des briques, oui on peut prendre des briques, il y a une vente c'est pour ça, ah mais le bois c'est pour ça que je suis en rade parce que je le vends. Et donc ouais, ça va être pour les livraisons de pétrole, mais avant de faire les... Enfin, pour faire les livraisons de pétrole, il nous faut faire des armes lourdes. Et donc il faut du salpêtre en plus. Donc ça c'est quoi? Ouvrier. Tout ça c'est ouvrier, ça c'est fermier. Ça c'est ingénieur, usine de dynamite. Ouvrier et ingénieur. Donc on ferait ces deux ici. Tout le reste ailleurs. D'accord, donc toi, on va t'envoyer dans le nouveau monde. Le cessez-le-feu a expiré. Ici. On va vendre un peu plus haut. Ça, non, on vend pas. Les voiles, si tu veux. Les armes, j'en achète, non. On va vendre là. Là, je fais rien là-dessus, ok. Donc il nous faut une île avec du salpêtre, je crois que c'est celle-ci. Non, celle-ci. Oui. Bon, mais il va falloir la développer cette île. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de briques et j'ai pas dû demander d'en acheter. Non, c'est une erreur. T'équilibre, ouais, 75. Là, t'équilibre max. Partie sauvegardée. L'acier, pareil, tant qu'on n'en fait pas. Pareil, vitre, tout ça là. Si tu peux m'en vendre, je prends. Est-ce que j'enverrai pas plutôt un bateau? Ce serait pas plus rapide pour des briques. Parce que attendez. Bon, on va faire la production et on verra bien. Alors, le salpêtre, c'est quoi? Ah, d'accord, ça se fait comme ça. Est-ce bien utile de le faire de ce côté ou on peut le faire là? Donc salpêtre c'est combien? 2 minutes. Ça on le sort en 1 minute, 115 secondes. Et les armes 2 minutes. Donc il en faudrait 2, ça coûte combien? 2200 de coûts d'entretien. Ah si, électricité requise. Donc c'est même pas amélioré, c'est requis. Avec l'électricité, on le fait en 2 minutes. Mais attends, mais c'est pas la grosse Bertha que je veux. J'ai mal regardé. C'est le chantier naval pour bateau à vapeur, on peut déjà le faire. Oh là là, quel idiot. Donc reprenons, pardon. D'ailleurs, attendez, tant que j'y pense, le musée, on a de nouvelles choses. Pour plus tard, hein, ça sera fait. Conservateur, magnifique. Voilà, et ici, comment on le placerait? Si je fais ça... Eh ben parfait, on a de quoi en faire un paquet. Voilà. Super. Alors on avait des choses, voilà. Une chose. Très précieux. Et ici on n'avait pas d'autres animaux. Connaisseur même. Voyons voir, ça me donne quoi connaisseur? Est-ce que je peux le voir? Un bonus d'influence. Expansion, oui non, connaisseur, attrait plus 20, bon mais soit, très bien. Très bien, donc notre chantier à vapeur.
Le poisson, je pense qu'ici, si vous, vous prenez du poisson. Ouais. Est-ce que vous, vous en prenez? Non. Non, non, non. Donc... voyons voir. Voilà, je pense que c'est bien ce que je pensais. On va en supprimer deux. Normalement, on est bon ici. Ouais, c'est bon. Super. Donc, c'est 70, 75. 75 de ciment, ok. Donc ça, c'est bon. Par contre, il va falloir le ciment pour en faire plus, en fait. Ma cimenterie, elle est où? Manque de ciment, ouais. Je sais plus, je suis perdu. Où est-ce qu'on fait le ciment? Une carrière de ciment, tu la vois où? Ah, mais je suis bête, c'est ça. Donc ça, faut l'améliorer. Eh oui, parce qu'elle est pas améliorée par l'électricité, donc faut amener l'électricité ici. Donc c'est l'occasion de faire une centrale pétrolière, oui. Qui va d'ailleurs alimenter tout ça. Donc finalement le mieux ce serait de la mettre ici. Elle alimente que ça. C'est dingue. Je m'attendais à beaucoup plus. Parce que si je veux en mettre une là... Mince. Non, mes ingénieurs, je vais les avoir par là, donc... Quoique, en se mettant... Comme ça, même. Ouais, mais devant le zoo, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on a ici? Un hôpital? J'ai l'autre hôpital par là, je crois. Ouais, j'en ai un ici. Donc si je te mets là, ça se passe comment? Je réussirai mieux dans un meilleur environnement. Ah, vous n'avez pas besoin d'hôpital, vous? C'est qui a besoin d'un hôpital? Non, mais personne, en fait. Enfin, personne et tout le monde à la fois. Le travail, ça finit par payer. Oui, non, c'est ça. Personne et tout le monde à la fois. Il y a vraiment des fluctuations, c'est sur, ouais, sur les manteaux de fourrure. Et pour ça, les manteaux de fourrure... Ah non, c'est juste l'électricité qui manque. Et on y est presque sur le ciment. On va au moins faire les chantiers, le chantier naval. Histoire de lancer un... un bateau. Et même pas, parce que... Il nous faut des moteurs, il nous en faut 20, et forcément on en a gagné que 18. Un cargo, ouais. Donc il va falloir faire aussi des moteurs. C'est pas fini, la galère continue. Galère de prise de tête, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime. Donc, on avait dit qu'il fallait organiser ça peut-être un peu mieux. Si je te mets là... si je te mets là... Voyons voir si j'améliore cette route. Et celle-ci... Ça devrait améliorer la portée. Qu'est-ce que ça donne? Ah, on n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, vous... On va essayer de garder les mêmes emplacements pour avoir des carrés identiques. Est-ce que c'est tournable les maisons? Juste pour voir.
Ah ouais, c'est tournable. Donc alors, qu'est-ce qui est le plus logique? C'est ça le plus logique pour moi. Ouais, si, c'est ça. Et donc, il nous reste 3. Voilà, ici, je vais vouloir placer donc... oui, comme ça. Ce qui fait qu'on peut donc faire... ça. Si on est trop symétrique, pourquoi pas. Voilà. Hop, ici on revient. Et donc toi tu m'alimentes tout ça via les routes. Ouais, donc faudra en mettre plusieurs. Quel dommage de pas pouvoir choper ça. Ça ferait du bien un peu plus de pétrole. Vous, ouais c'est ça, c'est les manteaux de fourrure. C'est parce que j'ai amélioré beaucoup mon lieu. Ouais, j'ai amélioré beaucoup trop de personnes. Donc moteur, alors. Où est-ce qu'on a déjà du laiton? Non, c'est pas ici. Je sais plus où c'est. Silice. Non. Non. Ici. Ok, donc tout ça. Et on a du cuivre, ouais. Tout ça, faudra le faire ici. Et il va me manquer forcément des matériaux de construction. Je les ai demandés, mais je les ai pas encore eus. Donc, on revient. On n'a pas fini. On revient. Est-ce que j'ai un clipper par ici? Oh, elle est pénible là. Toi, t'es où? T'es à Bristol. Ok. Pourquoi j'ai 66 ciments à Bristol? On me l'a livré, c'est ça? Ah, mais à Bristol, je pourrais aussi faire... Je pourrais aussi le faire, oui. Carrément. Je regarde juste les besoins et on s'attaque à ça. Ouais, donc, ok, on est bon, on a la main d'œuvre, on a tout ce qu'il faut. D'accord, donc, alors les moteurs. Et je disais des bêtises parce qu'en fait on peut faire les moteurs ici, vu qu'on a un embarcadère. Donc, on commence ici. Le fer, c'est fait. Le charbon, on en a deux en plus de fait. Une, deux. Donc... Une, deux, 15, 15, ok. Donc une mine de zinc, une mine de cuivre. Ah, le zinc on l'a déjà utilisé. Ah mais c'était ça, c'était pour la fonderie de laiton. C'est pour ça que j'avais amené tout ça. Zinc, ok, cuivre c'est déjà utilisé aussi. Donc, zinc et cuivre. Non, c'est pas la verrerie que je veux. C'est ça, je comprenais pas. Pourquoi tu fonctionnes à... Ah, réserve de l'huile saturée. Oui, mais t'inquiète pas, ça va changer. Bon, ça change le bonheur que de 1. Ça, tu me le mets à 50%. Ça aussi, ça va être pour compenser le fait qu'on puisse pas en faire 2 de chaque. Fonderie de laiton, donc 1 minute, 1 minute 30, ok, bon, on va faire une troisième fonderie de laiton. Ah, pardon, les moustiques, comme d'hab. L'entrepôt est là, t'as bien, regarde, parfait. Voilà, donc toi tu vas être alimenté, on va avoir le laiton. Et donc la scie, on va pouvoir le faire... Mince, c'est le feu, forcément. Mince. Qui est-ce qui... Jean Lafortune. Non, pas traité de PC, c'est le feu. Il est temps de prendre un peu de recul. Versatile, vindicatif. Bien. On va ranger ça. Voilà. Voilà, 20, parfait. Parfait. D'interminables lauriers, mais... Et non, forcément, moins 4, c'est cher payé. Votre machin. Donc 30 secondes. Ouais, une, ça devrait suffire. Ou alors, oui, et deux usines de moteurs.
Histoire de pas. On n'est pas à l'équilibre parfait, mais on n'est pas loin. Une. Putain, je pourrais en faire deux en fait, non? Vu tout le fer et le charbon qu'on a. Alors. Où est-ce que j'aurais de la place? J'aimerais bien garder tout ça au même niveau. Histoire de m'y retrouver. T'avais ici comme ça, voilà. Histoire de m'y retrouver plus tard. Et bah, deux usines de moteurs. Ah, il va me falloir du verre. Il va me manquer deux de verre. Voilà. Toi, tu rejoins pas la route principale. Plutôt passer par, ouais, par là. Ici, oui, bon, pour la beauté du geste. Et donc, où est-ce que je, voilà. Allez, j'en demande du verre. Le capitaine vous salue, quoi. Je sais pas, attends. Alors, tous les cris, les SOS, les naufragés appellent au secours, mais où? La pêche aux requins est l'un des passe-temps favoris de vos matelots. Leur dernière prise les a divertis plus qu'à l'ordinaire. Dans son ventre, il y avait une bouteille. Oh, on l'a déjà eu, celui-là. Allez, on tente. On va interpréter les signes. Bon, il n'y a rien à en tirer, ok. Il n'y a rien à craindre non plus, super. Ouais, il a déjà un navire à vapeur, lui. Bon, et bien toi, tu vas aller chercher du verre. Et ouais. Est-ce que j'ai pas une autre île où faire des fourrures? Si, ici. Ici, je pourrais faire des fourrures. Donc en fait, je vais modifier une route. Toi, tu décharges pas à Calapa. Tu vas décharger ici. Calapa, on l'enlève. Ouais. On va faire les fourrures ici. Ouais, d'ailleurs, le journal, j'ai failli t'oublier. Consommation de biens, où ça? Partout? Non. C'est mort. On peut pas la baisser. Consommation de biens, moins 30. Bah, parfait. Oh oui. Exactement. Voilà, un peu de... Et donc, ça devrait remonter parce que la consommation de biens, voilà, moins 30%. Dans ce cas, j'envoie sous presse. Est-ce que je vais pouvoir faire... Oui. Tu es déjà un exemple pour mes petites mains. Mince. Je vais pas avoir... Comme j'ai pas d'embarcadère... Mais taisez-vous. Et attends, il y a le dernier qui va arriver. Mince. Vous avez gagné un bon. J'avais pas vu. Ouais, comme j'ai pas d'embarcadère ici, faut faire avec la population qu'on a là. Cessez le feu à expirer. Tu parles trop, toi. Tu parles vraiment trop. Voilà, merci. Putain, il faut pas grand chose pourtant. Bon, on va essayer de l'acheter, on sait jamais. Oui, on les armes, on s'en fiche. Et voilà. Non, attends, le ciment, je sais pas si je l'ai mis. Oui, je l'ai mis, ok. Ah, je suis perdu, du coup. Ouais, pour les fourrures. Bon, on peut déjà prévoir le truc pour les fourrures. Ça demande rien, hein, que... Oui, même ça demande des fermiers. Un. Deux. En fait, on pourrait non juste livrer
Ouais, on va livrer les fourrures à la pelleterie. Votre navire est revenu de son voyage. On va livrer tout ce qu'on peut. Tellement longtemps que je peux venir sur cette île qu'on a quand même 300, on avait 350 de briques hein. avec une seule carrière exploitée. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Donc récapitulons, tu charges dans le nouveau monde, tout le coton, ok. Tu le décharges à Choose a Witch. Puis ici, tu vas charger. Normalement, ça passe. Ces produits agricoles, non. Matière première. Ah, il va me dire qu'il veut pas, alors qu'il est censé si je fais ça. Pas assez d'emplacement, mince. Ah, mais non, tu le décharges pas ici. Alors attends, on va faire ça. Voilà, donc tu charges le coton dans le nouveau monde, puis tu vas à Choose the Witch. Tu charges les fourrures. Et tu me décharges tout ça. Pourquoi tu peux pas le décharger ici? Non, pardon. Tu me décharges tout ça ici. Ok, on va pouvoir rajouter deux golettes dessus pour être sûr. D'ailleurs, attends. J'ai pas un... J'ai un clipper inactif, j'ai deux clippers inactifs. On va y mettre un clipper de plus, ouais. Partie sauvegardée. Et on est bon. On produit peut-être pas assez de café, alors voyons voir. Je l'ai bien mis, hein, ouais. D'accord, donc ici, comment ça se passe? J'ai cru comprendre... Ah non, j'allais dire un cessez-le-feu est terminé, mais non. Zéro... On va essayer de s'en faire des alliés, moyen plus, zéro. Je ne sais pas si je suis un bon père, mais... Vendre machin. Ah, oh, je te fais pas de don à 70 000, je suis désolé, je peux pas. Bon. Ok. Et si j'étais lésé, je m'étonne qu'on ait pas plus d'expédition. Mais non, t'es pas lésé dans l'affaire. Donc les manteaux de fourrure, ça devrait aller mieux. Bon, pour l'instant, ça va. Donc, on disait les grands bis. Du latex, et j'envoie ça ici. Mais c'est vrai que je voulais plus de... Je voulais des moteurs pour faire des cargos, pour avoir plus de pétrole. Et je me suis totalement perdu dans cet épisode, j'ai le cerveau qui fume... Où est-ce que j'ai commencé ma production? C'était pas ici. Parce qu'il fallait du zinc. C'était ici. 19, mais c'est une blague, on m'en a livré qu'un. J'ai un clipper dans le coin. Non, bon, on va prendre le navire de ligne, c'est pas grave. Alors prends-moi prends-moi du ciment, c'est pas grave. On va en reproduire, prends-moi des fenêtres et prends-moi des briques. Je pense que là si on est bon. Ouais, on n'en fait pas de briques ici. Et donc tu viens normalement t'as chargé, ouais. Donc tu viens ici. À toi, on va améliorer le truc, voilà, on va déjà stocker un peu plus. Ce serait bien qu'il y en ait qui me fasse une livraison. Ce serait vraiment très très bien. Ici, vous fonctionnez à plein régime les trois, ouais. Tiens, toi on t'améliore. Ah putain, c'est fou, ça qu'une...
Comment ça se fait que d'un coup on est à 11 000? Il est là le navire. Hein. Ouais. Non. Haute vie vers. Ouais. D'indicible danger. Alors, l'expédition. Évasion à l'injustice, alors qu'ils étaient descendus au port pour acheter des livres et profiter de la brise de terre, une dizaine de bons matelots ont été arrêtés par la milice locale qui les a envoyés croupir en prison. Une importante forteresse taillée à même les falaises qui surplombe le port. Pardon. Les chefs d'accusation invoqués sont grotesques, mais personne n'est dupe. Les miliciens cherchent à vous extorquer une somme rondelette. Bah, faire feu sur la forteresse, évacuer les prisonniers. Bristol, parfait, j'espère que c'est ce qui nous manquait. Une évasion menée de main de maître, super. Ouais, je voulais voir. On a toujours besoin. Ouais, eux ils ont besoin d'eau de vie. Est-ce que on est assez large maintenant? J'ai un doute. Sur. On est juste encore là-dessus. Les manteaux de fourrure, on a 0. Les lunettes, 32. C'est pas énorme, ouais. On peut pas se permettre d'améliorer encore des gens ici. Bon, c'est pas grave. Donc, Bristol. Lunettes. Combien on en a? 9, c'est tout. Putain, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Va falloir bosser plus, les gars, là. Surtout que le laiton. Nous sommes en présence d'un virtuose. Laiton, il va falloir que j'en fasse plus. Il va falloir que j'en fasse plus parce que sinon on va jamais pouvoir soutenir la production. C'est ce qui vous manque en fait, le laiton. Ouais, seulement 8. Ouais, carnaval. Bonheur, visite augmentée, ok. Alors, virtuose ici, oui. Vendeur. Je crois que j'ai même pas regardé celui de l'autre qu'on avait eu. Diplomatie 15. Affecte les marchés. Portée à trait, ouais. Pourquoi pas. Ne prenez pas la mer avec vos troupes. On est déjà bien assis. Sur l'île? Ah, mais on a. Non, on a Calapin. Ah non, d'accord. Bah si. T'es en train de tout mélanger. Ah, cette île, d'accord. Ouais, d'accord. Navire de ligne, au rapport. Mais attends, Calapa, je t'ai envoyé là, toi? Je me perds, c'est dingue. Là. T'es où, toi? Ah, t'arrives, super. Donc on va pouvoir lancer la production de moteurs et ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire quoi, une ville sans entrepôt? Mince, excuse-moi. Attends, on va vérifier toutes les... Toi tu fais avec le port? Ok. Ouais, charbon c'est normal, ça va remonter. Oh putain, c'est dingue de pas avoir la petite... Putain, mais j'en ai perdu. Des fenêtres. Pourtant j'équilibre bien. Ouais non, prends-moi le max. Hein. On s'en fiche. On fait pas de briques, donc on voit. Et ok. Allez, mon gars. Tu peux le faire. Toi, tu vas finir par te faire un nom. Et je suis en vitesse x3, il galère le pauvre. Hein. Ok. Donc... Tu me décharges tout ça,
Et on va enfin pouvoir lancer la production de moteurs. Et ça, c'est une super nouvelle. Voilà. L'électricité est fondamentale. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que on va démolir ça donc. Et donc on va venir faire nos moteurs ici. Au coin. Voilà. Donc, tout est électrifié. Forcément, j'ai plus les ressources dont j'ai besoin vu que je les ai amenés sur l'autre île en pensant le faire sur l'autre île. N'est-ce pas? Alors, combien on perd de pourcents là? Histoire de voir qu'est-ce qui est le plus rentable. 8 et 5, ça nous fait 13. 13 et 15, 28. Et si je te mets là, on perd 30%. J'arrive plus à calculer. 23, 24, 26. Ok, le mieux c'est là. Oh, c'est pas possible. Donc faut que je rappelle mon bateau. Toi, changement de programme. Tu me reprends ça, ça. Et on reprend tout le ciment, ouais. On revient ici. Votre peuple se révolte. C'est moi ou t'avances pas? Ah, sinon. Quoi? Révolte! Et que fait la police? Il y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Mais je vais vous poser la police juste à côté, les copains. Les communistes, non! Tout n'est pas ça! Attendez, hop! Je ne vois pas très bien. Hein. Oh là là, je me suis perdu. On est où? On est où? On est où? Il y a trop d'armes. Là. Ouais. La police fait de son mieux à Parlement, on dirait. Voilà. Révolte matée. Ah non, ils vont aller discuter ailleurs, ok. Bon. Mais t'es pas parti, toi? Je suis en vitesse x3 exprès. Toi, tu charges les lunettes, est-ce qu'il y en a plus? 7, mais c'est insuffisant. Il va falloir amener le pétrole ici aussi. Mais non, mais quel idiot. Je refais la même bêtise. Reviens là, reviens là. Reviens là, tu décharges. Le capitaine, il doit se dire... Le gouverneur, là, je crois qu'il a des soucis en ce moment. Ça fait 3 fois que je fais les retours, j'en veux plus. Et je fais rien. Je charge pas, je décharge pas. Ok. Oh oui, tais-toi. Perdu de l'attrait. Y aura-t-il quelqu'un pour la livrer? On est quoi? Capitale plaisante. Oh. Donc ça y est, on va produire des moteurs. Mais pour ça, il va falloir livrer du laiton. Alors. Tu charges ici, tu décharges là. Tu vas charger donc. Matière première, tu vas me charger. Donc le laiton en fait. C'est de l'or que j'ai mis. J'ai déjà fait la bêtise sur notre let's play. Tu vas m'en charger 50, ça suffira. On va commencer comme ça au début. Et il nous faut un bateau dessus, mais je crois que j'en ai plus de dispo, quoique j'ai peut-être un clipper. Si, j'ai un clipper. N'est pas vendu sur cette route. Alors attends, voyons voir. Eau de vie, lunettes, rhum, café.
Bah, c'est laquelle qui est pas. Hein. Quel navire? Lunettes, non. Rhum, café. J'ai mis un clipper, on en a pas 50, on en a un. Enfin, si, on en a quelques-uns, mais. C'est lequel que j'ai mis? Le Adiova. J'ai pas mis un, non. Ah, mais il est dans l'autre monde. Il est dans le nouveau monde. Alors attends, avant de partir. Viens ici. On va décharger. Histoire de commencer au moins à stocker le pétrole. On n'a plus de musique. Ok, tu me décharges tout ça. Voilà. Et tu peux reprendre ta route. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça sur notre belle île industrielle. Tu manques de laiton, oui, je sais. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Donc on a l'air d'avoir rééquilibré les trucs là, c'est pas plus mal. Ouais, on va se laisser sur notre fabrication de moteur. Ou même plutôt le chantier naval, ça a l'air d'être ça plus sympa quand même. Hop. Et voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, je crois, l'épisode précédent. On se laisse ici donc pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à demain.